est là dans le cadre de CréaRif, la création d'entreprises dans des quartiers un peu en difficulté. Il y aura pas mal de modules, on pourra rencontrer pas mal de gens qui ont les tenants pour créer des projets qui peuvent nous aider, nous assister. J'attends surtout un soutien et beaucoup de réponses à des questions, notamment juridiques. J'attends de cette journée de rencontrer des professionnels et d'autres porteurs de projets pour échanger autour de nos expériences. On a déjà travaillé sur le business plan, business model, l'étude de marché. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait, c'est un accompagnement de la part du Conseil de l'Île de France. Devenir chef d'entreprise, c'est pas inné, c'est pas un métier qu'on apprend à l'école. Au contraire, je pense qu'on l'apprend sur le tas. Donc plus on peut s'entourer et avoir d'informations, mieux c'est. Je sais que je vais ressortir avec... Je vais être enrichi, quoi. Je sais que je vais apprendre des choses. Donc quoi qu'il arrive, je sais que ce sera bénéfique pour moi. Nous espérons aller loin. Nous espérons être parmi les 20 lauréats. À pas trop te dévaloriser et à pas aller perdre ton temps sur des trop petites associations. Si vous dites la démarche écossaire, ça veut dire que je veux que mes produits soient labellisés bio. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu la démarche, ça? Quand je crée mon entreprise, je crée mon entreprise pour créer de la valeur, mais par la suite, je crée une entreprise pour créer des emplois dans mon quartier. Ça, ce serait bien ça. Que ça soit bien, votre projet va devoir se développer ici, dans ces cas-là, parce que mon SARL est quand même bien adapté à votre projet. C'est aussi simple que ça, en fait. Aujourd'hui, les personnes étaient demandeurs d'emploi. Voilà le profil. Donc des personnes qui... une dame qui sort d'un congé parental, une personne qui s'est fait licencier et qui veulent aujourd'hui rebondir dans la création d'entreprise. Pour beaucoup, la problématique la plus rencontrée concernait la forme juridique à adapter pour leur projet. C'était vraiment du concret. Pour le coup, je pars de là, j'ai changé pas mal de choses. Je suis vraiment plus sûre de moi. J'ai vraiment des éclairages pour l'avenir. Je sais quelles sont mes prochaines étapes et j'ai vraiment eu des vraies réponses et des vrais conseils. Ouais. Alors, comment devenir un chef d'entreprise? Déjà, bien connaître son métier, ça c'est clair, bien savoir en parler. Hein, il y a le savoir-faire, mais le faire-savoir. Et puis, une troisième clé, c'est de bien se faire accompagner, c'est-à-dire de profiter de tous les conseils de gens, si possible, qui sont passés par le chemin avant vous, hein, et qui ont réussi, de façon à gagner du temps, éviter les erreurs qui coûtent de l'argent et qui prennent beaucoup de temps. Va directement procéder à la remise des prix. Cette journée m'a aidé au niveau de confirmation. J'avais pas de confirmation, comme on en a parlé beaucoup cette journée, que les gens sont isolés et puis dans l'entourage il n'y a pas forcément quelqu'un qui nous accompagne. Mais là j'ai des contacts, des associations, j'ai parlé avec les autres sur leurs projets et tout ça. Donc je me sens plus à l'aise. En tout cas, à chaque fois que je regarde soit des émissions, soit je me déplace dans des endroits comme ça, ça me redonne un boost. Ça réveille en moi
cette envie de réussir, cette envie d'entreprendre.